On se retrouve un an après. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'avais fait l'année dernière un test où j'avais comparé les ruptures au scratch. Et en fait, c'était pas les mêmes mousses. Hein. J'avais, je sais plus ce que j'avais là-dedans. Je sais plus, bref, je m'en rappelle plus maintenant. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, j'ai les deux mêmes mousses. Donc c'est d'avoir des mousses de chez Altfoam avec la même dureté. Je m'en rappelle plus de tête, mais voilà, quoi qu'il en soit, ouais, c'était le moment de refaire un test, donc on va rallumer la crécelle et puis on va voir ce que ça donne. On reprend les mêmes et on recommence que l'année dernière. Donc châssis G-Speed, on va commencer par la montée qui est là, donc avec cette cassure là qui avait tendance un peu à mettre de la difficulté. Ouais, je suis toujours aussi mauvais pour conduire une main. Donc le crack. Seconde zone, donc plan incliné, un peu plus raide, on met un petit peu d'inertie, on va même ralentir un peu d'ailleurs pour voir ce qui se passe. Voilà, pas de problème. Hein. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si je reprends? Aucun souci. Donc je disais que rien n'a changé, bon, quelques petits détails. Si vous regardez, il y a des sliders qui sont un petit peu différents. Mais dans le fond, c'est la même chose l'année dernière. Hein. On passe maintenant au plan incliné, mais du coup, on va faire que du dévers. Donc l'idée, ça va être de monter jusqu'à cette cassure-là, à peu près, de braquer tout à gauche et de revenir là entre l'herbe et là-bas, enfin, entre les deux balles en fait. Bon, c'est intéressant de voir si le terrain a changé, enfin le terrain. Le plan incliné a changé depuis l'année dernière, ça n'a pas trop l'air. Bon, il a énormément plu. Beaucoup, donc c'est que maintenant que je peux un peu sortir. Alors, ok, on est jusque là, tout va bien. Je reprends ma main. Ok, et maintenant on braque à fond. Toujours aussi agréable hein, sur notre terrain, on brouille rien. Il déçoit pas, lui non plus, il a pas changé. Ok, donc là on y est. Bon, j'ai pas encore le point de bascule. Au feeling, on peut. Pour encore y mettre quelques degrés là. Ouais, ça se déforme quasiment pas, c'est pas mal. Bon, ça commence à glisser. C'est plutôt pas mal globalement. Bon, qu'il glisse un petit peu, mais. Globalement, ok, ça se tient. On va monter, on va passer ce petit crack, puis là-dedans, on va aller un peu là-dedans, là, dans cette embêtée. On va passer par-dessus les herbes, et ensuite on va tirer à fond, enfin on va tourner à fond, pour passer là dans ces portes-là, et après on descend. L'idée, c'est de mettre, en fait, c'est dans la descente, c'est de mettre le poids maxi sur l'avant, et voir si ça se débine pas, si ça reste. Allez, donc on est parti. Ça, l'année dernière, donc comme dit, ça c'est juste presque un rappel, j'ai envie de dire, puisque on a déjà fait le test l'année dernière avec ces mousses-là, ces pneus-là. Mais bon, c'est intéressant de le refaire parce que la carrière change d'une année sur l'autre, même d'un jour à l'autre. Un petit peu vite dans la descente, ça c'est ma faute, c'est pas les pneus. Ok, impeccable.
Hein, en bas, on braille maintenant avec les ruptures. Alors, en termes de jambes, vous avez vu, c'est pas les mêmes, mais en poids, c'est pareil. Les déports sont les mêmes, d'ailleurs, j'utilise les mêmes moyeux. Ah. On sait. Ah. J'ai une première surprise, étonnant. Ok. Un petit peu de gaz. Pas mort, non? Ça y est, non, toujours pas. Ok, on va essayer de bien viser. Et ça va s'approcher un peu ou pas du tout? Ça va. Ok, allez y mettre un peu d'amour comme dirait l'autre. Donc maintenant on va passer le crack, petite cassure. Alors, déjà il reste accroché sur. Voilà. Peut-être qu'on n'était pas tombé dedans tout à l'heure avec les scratchs. Ok, c'est bon, c'est passé. Bon, alors on voit déjà l'avant qui se lève pas mal. Ça, c'est pas super super bon signe. Ok, je reprends la manette. On va essayer de me faire un peu dévier sur le côté là pour le sortir du trou. Vraiment, si on ralentit, il faut que ça se passe. Bon, j'en suis à 2 minutes de vidéo là et toujours pas monté. Il va falloir y aller là, monsieur. Là. On va essayer de tourner un peu. Ok. Oh là, l'avant, il n'y a rien qui traque. Que dalle. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Enfin, que je veux dire, c'est sur la radio en fait. J'étais un peu le frein moteur, là j'en ai enlevé. Parce qu'au bruit, là, ça me plaisait pas trop. Ok. C'était laborieux, mais c'est passé. Bon. Elle reste. Bon, ça patine quand même pas mal. Hein. Déjà que les ruptures ont tendance à s'user très vite. Alors là, ok, si je descends un petit peu, si je repars, ouais, ça a du mal quand même, attends, j'ai mis trop de gaz là. Alors là, c'était pas du luxe trop de gaz, en tout cas, il a du mal à reprendre. Bon. Ok, allez, c'est parti, on enchaîne. Admettons, soit. En mettant un petit peu de gaz. Voilà, ok, on y est. Je crois qu'il y a un trou là. Ouais, il y a un petit trou. Mais, c'est marrant parce que malgré que j'ai du poids à l'avant, il s'élève quand même beaucoup. Hein. Il ne l'avait jamais fait ça. Donc je suis laissé un petit peu à l'avant. J'ai plus les proportions qu'on avait fait hein. Avec un ami là. On avait pesé, mais j'ai plus en tête. Mais on était plutôt pas mal niveau répartition. Ah, là, ça veut pas. Hein. On va essayer encore un peu. Ah, rien à faire. Hein. On va essayer dans le calme plutôt que l'excitation. Du mal à prendre. Dommage que tout travaille vraiment bien là, juste comme il faut. Il travaille vraiment plutôt bien. Non, rien à faire, hein, ça veut pas. Je vais essayer de mettre un peu en biais pour voir. Allez. Dommage. Allez,
dernier essai et après on passe à la séance. Et c'est dommage parce que il semble qu'il montait hein, normalement. Non, ça va pas. Ici on l'attaque un peu sur ce côté là. Rien à faire. Hein. Ça veut pas. Bon bah voilà, j'en profite pour faire un peu de pub au Broken Arm qui est écrit à l'envers. Voilà, bon bah ça marche pas. On va voir maintenant si on a plus de chance en dévers. Donc l'année dernière quand j'avais fait les tests, c'était avec des mousses Crazy Crawler, les Alt Foam, donc c'est une espèce de mousse sandwich. Là on est passé avec les Alt Foam, parce que je trouvais que les mousses Crazy Crawler étaient beaucoup trop souples. Alors, on va voir peut-être voilà. On va gagner un peu ici. Je crois, ils sont 5 mm plus haut que les. Ouais, désolé, j'ai arrêté de respirer, c'était pour pas faire un tonneau. Ils sont 5 mm plus haut que les scratch. Et là, il veut y aller. Là, il va tomber. Là. Donc là, je peux pas trop rectifier le tir. Si je tourne à droite, à mon avis, il va y aller. Un peu compliqué là. Oh putain, ouais. On va passer devant. Ouais. Là, on va décrocher dans pas longtemps. Et... Pourtant, ça se déforme pas. Hein, c'est... Mais là, allez. Voilà. Merci, bonsoir. Bon, bah là, les 5 mm en plus au diamètre, ça a pas aidé. Hein. Allez. Dernière zone, dernier test. Ça va monter sans problème. Ok, pas de soucis, tout va bien. Je peux prendre la manette un peu en main. Voilà. Bon, là-dedans, là, on devrait pas avoir de surprise. Hein. En plus, c'est ce que le genre de pneu aime là. Ouais, quand c'est un peu cassé comme ça. Rien à dire, tout va bien. Bon, maintenant c'est là où on va commencer un petit peu à serrer les fesses et où je vais peut-être arrêter de parler un moment, que je vais retenir ma respiration parce que ça glisse quand même un peu là-haut. Comment ça se présente? Okay. Ça glissait mais c'est passé. Alors maintenant, on va voir comment se comporte là-dedans. Alors, l'arrière reste pas mal accroché. Alors, pas de surprise, là ça va plutôt bien. Bon, là c'est moi qui fais le pilotage, mais ça tient plutôt. Ah. En tout cas, au niveau du pont, là ça tient, il n'y a pas de souci, les mousses tiennent bien. Il a un peu déplacé la porte, mais ça on va dire que c'est erreur de pilotage. Non, là globalement. Ouais, globalement ici, ça va. Ça va. Bon, débrief. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que ça dit? Bon, vous l'avez vu sur la vidéo, sur ce terrain-là, et je dis bien sur ce terrain-là, bah, deux fois de suite, hein, les ruptures sont moins bonnes que les scratchs. Ça ne veut pas dire que ce sont des pneus qui sont moins bons, plus mauvais, etc. Sur ce terrain-là, ce qui fonctionne mieux sont les scratchs. Après, il faudrait essayer sur plein d'autres terrains, enfin voilà. Et je tiens à préciser aussi que je suis pas un pro, moi je suis un amateur qui aime bien un peu se faire plaisir et surtout qui aime bien essayer des pneus. Donc c'est un avis, c'est pas la vérité absolue. Mais voilà, moi ça me travaille aussi de ne pas avoir fait un test avec vraiment les mêmes mousses. Donc là, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Là-dessus, sur cette surface, sont les scratchs qui l'emportent au la main. Quelques petites remarques aussi. Bon, je vous l'avais déjà dit l'année dernière, mais je le redis encore cette année, les ruptures, ça s'use très 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 vite. On voit un peu moins à l'arrière, mais là à l'avant, c'est vraiment bien 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 marqueur. J'ai pas beaucoup roulé avec. Les scratchs ont plus d'heures de route et ils sont toujours là. Par contre, en revanche,
soyez juste au courant, les scratch, vous ne pouvez pas les monter sur n'importe quelle roue. Là, par exemple, sur celle-là, bon, c'est des knock-off complètes, hein, ça vient de Chine, tout ça. Et je ne peux pas les monter, ceux-là, parce que la lèvre, elle est trop fine. Et en fait, j'ai le pneu qui patine autour. Donc, voilà, il y a du pour et du contre. Ces deux pneus, selon les compétitions, sont pas forcément autorisés, donc ça sera plus pour du loisir. Hein. Je sais que dans certaines, celle-là, c'est complètement interdit. Celui-là, des fois, ça passe, des fois, non. Donc voilà, ça, c'est vous qui faites votre choix. Voilà, moi, je me suis bien éclaté sur ce test. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Tirez-en vos conclusions. Quoi qu'il en soit, amusez-vous, testez, roulez. Et puis à la prochaine. Allez, ciao!